2022, il comptera plus de 1000 étudiants répartis entre 6 filières de formation, dont 4 d'entre elles donnent lieu à des licences professionnelles. C'est le lieu ici de féliciter tous les membres de mon administration, le corps professoral et l'ensemble des étudiants pour les sacrifices qu'ils consentent chaque jour à mes côtés pour que les différentes tâches administratives, pédagogiques et académiques se déroulent dans une bonne ambiance et dans le respect. Je m'en voudrais donc de ne pas saisir cette occasion pour vous demander un banc pour le professeur Rabiou Cissé, président de cette université mère. Ce jour, au nom de l'ensemble des parrains, dans le cadre de la cour de la première pierre du Centre universitaire polytechnique de Kaya, un bâtiment R plus 2 extensible. Aussi, je voudrais saluer toutes les autorités universitaires présentes ce matin pour la circonstance. Permettez-moi aussi, mesdames et messieurs, de vive voix d'adresser nos sincères remerciements aux chargés de mission du Centre universitaire polytechnique de Kaya pour le choix porté sur nos personnes pour le parrainage de la présente cérémonie. C'est avec joie et avec un sentiment de fierté que nous avons donné notre quitus pour parrainer cette activité, car nous croyons que l'avenir de notre nation réside non seulement dans la construction d'édifices adaptés pour la formation de nos jeunes, mais aussi dans la qualité des formations qui leur sont administrées. Nous, Dima de Boussouma, engageons et accompagnons tout le processus d'opérationnalisation de notre université. Lançons un appel solennel à toutes les filles, à toutes les fils de la région, partout où ils se trouvent. Nous engageons à faire respecter l'adage qui dit « Quand on vous lave les dos, vous devez au moins vous rincer le visage. » Ensemble, tout est possible. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. À très bientôt. Docteur Bachir Dawo et moi-même, nous sommes très honorés ce jour d'avoir été associés à l'organisation de cette importante cérémonie dépôt de la première pierre de la présidente de l'université du Centre des œuvres universitaires de Kaya. C'est donc avec un réel plaisir que je prends la parole en son nom en tant que co-président pour saluer la disponibilité, l'accompagnement constant et indéfectible de tous ceux qui, en ces circonstances solennelles, rehaussent l'éclat de la présente cérémonie. Rob Mankissa Traoré a compris qu'il faut qu'on rompe avec la gestion informelle des affaires et que l'enseignement supérieur de la recherche scientifique occupe le rôle majeur dans la transformation de notre économie. Et c'est pourquoi, sans fausse modestie, quelquefois je dis, s'il y a un seul ministère qui doit tirer tous les ministères vers le haut, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Parce qu'il est justement supérieur. Et c'est cela. Donc je suis très heureux de savoir que la vision portée par le président du FASO, que nous tentons d'opérationnaliser, est en train de gagner le cœur des conseils régionaux. Et je souhaite que suite à l'appel du DIMA, qui a été renforcé par mon frère Siméon, je souhaite que les opérateurs économiques de la région qu'ils suivent ce pas pour que cette université ait des infrastructures en bonne et due forme. Cela est possible. Ce centre universitaire doit continuer à se construire, doit continuer à être au service du Burkina, à être au service de la région du Nord, à être au service du Sahel, des hauts bassins, à être au service de l'humanité. Parce que je rêve du jour où des gens vont venir d'ailleurs
pas seulement de l'Afrique, mais venir pourquoi pas du Congo, de chez mon frère, des pneus, pour venir prendre les cours ici à Kaya. Ça peut arriver. Et très vite, cela peut arriver. Mais cela ne tient qu'à nous. À nous de nous donner les moyens pour que ces centres universitaires soient des centres émergents. Alors, le Centre universitaire polytechnique de Kaya a été créé le 24 octobre 2016 par un arrêté ministériel. Il a démarré ses cours en janvier 2018 pour le compte de l'année académique 2017-2018. Et il compte en son sein 6 filières. Donc, nous sommes vraiment heureux d'accueillir cet édifice qui est un bâtiment R+2. Extensible en R+4. Pour cette première phase, le bâtiment sera construit jusqu'au R+1. Donc ça va comporter des bureaux pour le personnel enseignant et l'administration et des salles de conférence que nous pouvons utiliser déjà comme des salles de cours. L'appel c'est vraiment appeler tous les fils et toutes les filles de la région à se mobiliser autour de l'université. La présence des hautes personnalités de la région ce matin est la preuve que cet appel est entendu et tout le monde est conscient que l'université c'est un outil de développement pour la région et partant pour le Burkina.